Bonjour à vous. Je vous propose aujourd'hui une méditation sur la paix. J'ai choisi ce thème aujourd'hui car il me semble que partout dans les médias, on cultive plutôt la discorde, qui est pour tel comportement, qui est contre, et c'est plutôt les avis divergents qui sont mis en exergue dans l'actualité, dans ce qui nous environne. Et je crois qu'on a aussi besoin de moments où tout d'un coup on prend un peu de recul par rapport à ça. Parce que tous ces événements, tout ce qui se passe autour de nous peut nous faire ressentir de l'impuissance, de la colère, de la tristesse, beaucoup d'incompréhension. Et je crois que tout ça nous divise et nous sépare les uns des autres et aussi en nous-mêmes. Cela me questionne beaucoup ces derniers temps. Parce que moi-même, c'est aussi ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et du coup, tout cela me ramène à ce qu'on pourrait appeler, on savait comme en photographie, les négatifs. Et je me dis, si en négatif de cette ombre, il y a la lumière, qu'est-ce que cela m'évoque? Cela m'évoque l'unité, la paix, l'harmonie, une volonté aussi d'union. Et c'est sur ce thème que j'aimerais vous proposer donc une méditation pour aussi se mettre en lien tous ensemble sur ce qui nous unit. Donc ce que je vous propose, vous le savez, c'est de vous installer dans une position qui est la plus calme possible, celle dans laquelle vous vous sentez prédisposé à pouvoir rester, disons, 15 minutes maximum. Une position dans laquelle vous pourrez un peu bouger, peut-être si vous n'êtes pas confortable. Une position dans laquelle vous pouvez rester à peu près détendu. Et une fois que vous êtes installé, je vous invite à fermer les yeux et à respirer. J'espère que vous respirez le plus facilement possible, sans forcer votre respiration. Si votre nez est encombré et que vous ne pouvez pas le déboucher, vous pouvez toujours respirer avec la bouche. Faites le nécessaire, bougez votre nuque, votre tête, vos épaules, votre buste, vos jambes pour accroître votre niveau de confort. Voilà. Assise, assis en train de respirer maintenant. Et je vous invite à tourner votre attention vers vous-même, vers votre corps, vers peut-être aussi votre émotionnel s'il est présent, apaisé ou agité, et vos pensées. Et ce fil rouge qui est la respiration. Je sais que certains d'entre vous sont très reliés aussi à leur rythme cardiaque. Si vous percevez votre rythme cardiaque et que ce tempo vous est agréable, que c'est quelque chose de positif pour vous, vous pouvez également vous mettre à l'écoute de votre rythme cardiaque. Restez en vous-même,
Vous percevez bien sûr votre respiration ou votre rythme cardiaque, mais aussi l'ensemble de votre corps. Orteils, chevilles, jambes, hanches, bassin, votre buste, vos bras et votre visage. Dans cette méditation qui a pour thème la paix, j'aimerais essayer de vous proposer une paix concrète, une unité concrète, loin des concepts. Et pour cela, peut-être que vous pouvez poser votre attention dans une partie de votre corps où vous vous sentez confortable, agréable. Peut-être est-ce dans vos mains, dans votre buste ou dans vos jambes. Quelque chose de solide. Et j'aimerais que vous en appréciez les sensations de cette partie de votre corps, dans laquelle vous êtes confortable, je le rappelle. Qu'est-ce que vous voyez dans cet endroit? Qu'est-ce que vous imaginez? Quelles sont vos sensations dans cet espace? Comme cet espace est agréable, écoutez son harmonie. Votre souffle et cet endroit de votre corps. Vous savez que votre corps fonctionne en harmonie. Chaque organe a sa place, a sa fonction. Même si parfois tout ne fonctionne pas exactement comme vous le voudriez, hein. Mais néanmoins, chaque chose, chaque cellule de votre corps fait sa part du travail le mieux qu'elle peut. Vous pouvez prendre conscience de cela. Respirez dans l'espace de votre corps que vous avez choisi. Peut-être pouvez-vous étendre le bien-être que vous ressentez dans cette zone à une zone plus grande. Voilà, restez concentré sur cette sensation, sur ce que vous éprouvez là maintenant
dans cette zone ou dans cette zone plus large. Prenez peut-être conscience de la paix qui règne dans cet espace en vous. Est-ce chaud ou froid? Y a-t-il une couleur? Une harmonie particulière. Si c'est possible, vous pouvez étendre tout cela à l'ensemble de votre corps. Il se peut que certaines régions de votre corps demeurent sensibles. Et c'est OK. C'est possible. Mais peut-être que vous vous sentez complètement bien ou presque parfaitement bien. Et dans ce cas, vous pouvez laisser cela se diffuser totalement à votre corps. Au maximum de vos possibilités aujourd'hui. Diffusez en vous cette intention de paix, cette saveur particulière de l'unité. Une fois que vous la ressentez totalement au maximum de ce qui est possible en vous, vous pouvez aussi inviter cette intention à se diffuser au-delà de vous, comme si elle traversait votre peau, vos pores. Pour aller comme une lumière vous entourer. Vous savez, comme ces personnes auprès desquelles on s'assoit parfois, et qui diffusent comme un quelque chose de spécial, quelque chose qui fait que, sans trop savoir comment, vous vous sentez mieux. Donc faites rayonner cette saveur, cette ambiance spéciale, au moins jusqu'à votre peau, et peut-être tout autour de vous. Est-ce que vous rayonnez autour de vous? Et comme une goutte de couleur qui vient teinter le paysage autour de vous. Cela se ressent
sur vous, sur votre environnement, sur les gens aussi autour de vous. À chacune de vos inspirations, l'air que vous prenez vient alimenter cette paix, cette unité à l'intérieur de vous. Et à chacune de vos expirations, elle se diffuse en vous et dans votre environnement. Et ce serait comme si vous pouviez imaginer que nous étions très nombreux à faire cela. L'espace de quelques minutes. Que se passerait-il? Peut-être que toute cette paix que nous rayonnons viendrait se diffuser, imprégner l'ambiance actuelle. Pour la transformer. Mettre plus de paix, plus d'unité. Comme un grand cercle de personnes qui se donnent la main. Le tout est supérieur à la somme des parties. Nous sommes tous les feuilles d'un même arbre. L'air que nous inspirons nous nourrit notre paix intérieure, notre unité, et sur l'expiration, nous la diffusons. Pour mettre quelques gouttes de plus d'harmonie et de paix et d'unité en nous et dans l'air. Chaque inspire, chaque expire nous ramène à cela. N'est-ce pas? Je vous remercie pour ce partage. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous remercie d'avoir médité pour la paix. À bientôt. Au revoir.